donc une flûte en pentatonique mineure. Ce que je voulais vous dire encore, c'était ce vibrato assez typique de la musique amérindienne. Je vous conseille d'écouter des musiques de professionnels de Cherokee, parce qu'on l'entend hyper clairement. Et en fait, c'est une sorte de vibrato de poumon. C'est un peu comme si on donnait une altération, mais en fait, il faut trouver un moyen qu'elle soit naturelle et rythmée, et pas qu'elle paraisse artificielle en essayant de la faire. En fait, on arrive à une sorte de limite de la note et ça rebondit comme ça et en fait, ça rend le son un peu plus... Ouais, ouais. Tout à fait, Pierre. Ouais, comme dit l'harmonie avec les basses, toujours important d'écouter les deux et de bien tenir sa flûte pour que l'harmonie soit correcte. Voilà, je crois que c'est tout. Merci.